Eric a gagné. Bravo. Hein? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? On est à égalité. On ne discute pas avec le jury. Eric l'a remporté d'un cheveu. Et comment tu le sais? T'as une photo finish trafiquée. Eric, parle-lui, s'il te plaît. Mon ancien entraîneur me disait qu'il ne fallait jamais contredire l'arbitre. Moi, je vous aurais surpassé, mais la compétition est finie. Oui, parce que t'étais trop occupé à te faire mousser pour venir nous rejoindre. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Laisse tomber, juge. Tout ce pouvoir t'est monté à la tête. Arrête, Bob. Avant de dire quelque chose que tu regretteras. Calmez-vous un peu, les gars. Notre jeu nous appelle. Hein? Ok, disons que Bob marque un point. Bon, Bob, apparemment tu as gagné. Bon, d'accord. Mais c'est la course que je voulais gagner. Salut, Tom. J'ai failli faire une crise cardiaque. Désolé, pas le temps pour la délicatesse, car le devoir nous appelle, mon pote. Mais où sont passés les autres? Ils arrivent par des moyens conventionnels. Donne-leur juste quelques minutes. Ils ne vont pas tarder. Viens, aide-moi à rentrer la voiture dans le garage. Ok. Démarre le moteur et fais marche arrière. Dans un monde parallèle, tu te bats contre des dragons et ici, tu es trop feignant pour pousser une voiture. Ok. Je suis à vos ordres, capitaine. Quelle belle voiture, Tom. Elle est encore plus belle vue d'ici. Elle appartenait à ton père, n'est-ce pas? Mon père l'appelait Baby Blue. Ne t'inquiète pas, il la reverra bientôt. Et toi, tu le reverras aussi. Cette montre est la preuve que ton père est allé dans le passé, et nous allons le retrouver. Je ne sais pas quoi penser. Oui, peut-être qu'il a voyagé dans le passé. Mais un homme seul et sans défense face à tous ces dragons et ces dinosaures, comment a-t-il pu survivre? Il faut que tu me fasses confiance. Je suis sûr qu'il va parfaitement bien. Oui, j'espère. Rien n'arrive jamais par hasard, Tom. Le fait que tu aies retrouvé sa montre est probablement un signe. Rappelle-toi ce que le vieux chaman t'a dit. Il faut que tu écoutes ton cœur. Tom, tu es là? John? Oui, on est là, dans le garage. Merci pour ton soutien, John. Vous, les dragons, vous avez des ailes. Et vous pouvez voler et cracher du feu comme tous les autres dragons, mais... Vous avez aussi un autre don particulier qui vous différencie de vos congénères. J'ai besoin de vos services, fidèle dragon serpent. Oui, monsieur. Vous allez vous faufiler en silence et surprendre votre ennemi, c'est d'accord? Oui, monsieur. Toi, soldat, en avant! Nous devons impressionner notre seigneur Nesseron. Fais-moi une démonstration, soldat. Alors, général, sont-ils prêts? Mes soldats sont prêts pour la bataille, c'est seigneur. C'est ce que nous allons voir. Les dinofroses doivent être éliminés avant qu'ils ne trouvent le fragment de Rockfroze et qu'ils ne gâchent tout ce pour quoi nous avons travaillé. La terre des arbres démoniaques, seigneur, est l'endroit parfait pour que mes soldats les prennent par surprise et leur tendent un piège. Allez-y, et gloire à mon nom. Ah.
Faites en sorte que notre glorieuse mission soit accomplie. Alors, vous êtes prêts, les gars? Moi, ça fait longtemps que je suis prêt, mais il a fallu qu'on attende ces escargots. Ouais, c'est ça, c'est jamais de ta faute. Comme si c'était de ma faute si tu as perdu la course. Hey! Hein? Allez, les gars, c'est parti. C'est l'heure d'aller chasser du dragon. Vis dans le passé pour gagner dans le futur. Hein? Allez, vas-y! Génial! Alors, T-Rex, tu es prêt à te battre? Ha! Ouais, j'ai réussi, les gars! On dirait que c'est toi qui vas rester cette fois, Eric. Nous serons entre de bonnes mains. Pas vrai, Eric? Tu sais bien. C'est parti pour la quête du nouveau fragment de Rock Froze. Allez, Eric, concentre-toi. Mais comment est-ce que je vais pouvoir rester concentré alors que je suis assis à côté d'une super Cadillac Eldorado 1953? Quelle beauté! Ça, c'est de la caisse! Ok, les gars, voilà le plan. La première chose qu'on doit faire, c'est trouver le chemin qui nous mènera directement au cœur de la jungle. Tom a raison. La jungle est un endroit parfait pour cacher le Rock Froze. Très bonne stratégie. Mais dans la jungle, c'est comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foin. On n'a pas le choix, John. À moins que tu n'aies une meilleure idée. Bon, j'imagine que tu n'as pas une meilleure idée. Oh, ça va, laisse-moi tranquille. Ouais. J'ai passé la nuit à lire tout un tas de notes que mon père a écrites. Il parle bien du Rock Froze dans ses recherches. Et alors, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Eh bien, mon père avait fini par retrouver les origines du Rock Froze. C'est une histoire qui se transmet de génération en génération. À une époque très lointaine, les dragons et les dinosaures vivaient ensemble en paix. Ils ont alors décidé de préserver tout leur pouvoir à l'intérieur d'un cristal précieux. C'était un acte symbolique, ayant pour but d'illustrer l'harmonie qui existait entre les deux races. Mais avec le temps, le cristal a commencé à contenir de plus en plus de pouvoir. Un pouvoir tellement immense qu'il est vite devenu incontrôlable. Quand ils ont compris le danger que représentait cette pierre, les dinosaures et les dragons ont décidé de détruire le cristal original, et ils ont dispersé les fragments. Et nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Nesseron est devenu le maître des dragons et la paix était terminée. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Regardez! Hein? La jungle, on l'a trouvée. Vite, derrière le rocher. Ils peuvent faire demi-tour à tout moment pour venir nous chercher. On sera plus en sécurité dans la jungle. Moi, je suis sûr qu'on peut résister à tout danger qui se présente à nous. Même ces serpents! Ok, j'ai peut-être exagéré. Il n'y a qu'un seul moyen de s'en débarrasser, c'est de se transformer. C'est exactement ce que je me disais, Tom. Attention, parce que vous allez avoir affaire au Dino Froze.
Vous êtes prêts, les gars? Je crois qu'il nous faut un peu de pouvoir de feu. Je serais ravi de vous aider. Allez, séparons-nous! Vous êtes tellement maladroit que vous allez mettre le feu à toute la jungle avant de pouvoir me toucher. Alors dites-moi, les gars, vous voulez vos serpents bien cuits ou à point? Moi, je les aime très loin de moi. Ça sera pareil pour moi. Fichez le camp! Heureusement pour vous, je n'ai pas encore d'aile. Dirigeons-nous vers la jungle! Les serpents sont partis. Enfin, j'espère. Pour l'instant, nulle part. Je vous remercie, madame. Waouh, un système de navigation avec commande vocale personnalisée. C'est au père de Tom. Hein? Hey, Bob! Tu ne t'échapperas pas, espèce de lâche! Bob, comment tu te sens? Eh bien, Tom, disons que j'ai connu des jours meilleurs. Ah. Ça devrait faire l'affaire. Ah! Banc de glace! C'est sûrement Eric qui a fait ça. Les gars, je vais mieux maintenant. Comme s'il ne s'était rien passé. Eric a joué cette carte pour te sauver la vie. Alors s'il te plaît, essaye d'être plus vigilant désormais. Je me dis qu'on va sûrement bientôt retomber sur ces idiots. Ce n'est pas leur genre de prendre leurs jambes à leur cou comme ça. Cet endroit me donne la chair de poule. Tu aurais préféré rester à la maison et être le maître du jeu. Arrêtez de vous chamailler!
En tout cas, il n'a pas tort. Il n'y a aucun signe d'eux. Ils doivent se cacher quelque part. Ils attendent juste le bon moment pour attraper l'un d'entre nous. Regarde, ils ont attrapé John. Ah, ils ont John. Tu n'auras pas autant de chance que ton ami. Que des dragons, on peut très bien les battre. C'est un ordre, et on doit obéir au capitaine. Tom, qu'est-ce que tu fais? Retournons là-bas. C'est dit, on sort de cette jungle tout de suite. Tu ne comprends pas ou quoi? C'était une décision stupide. Tu nous fais perdre notre temps. Tu as un sérieux problème. J'ai toujours eu tendance à mal choisir mes amis. Eh bien moi, je crois plutôt que tu détestes suivre des ordres, tout simplement. Il n'y a que les idiots qui font ça. Ou bien les amis. Si Tom te demandait de sauter d'une falaise, est-ce que tu suivrais bêtement ses ordres? Il y a des ordres justes et des ordres mauvais. Et ça, c'était un mauvais. Tu dis des bêtises. Il faut toujours que tu cherches la bagarre. Il me rend nerveux. Ah, c'est ça, nerveux. Tu viens de me donner une idée sur la façon dont on va les battre. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de décider quand et où. Destination validée. Validée? Mais je n'ai rien demandé, moi. Calcul de l'itinéraire. Activation du pilotage automatique. Hein? Oh non! Mais comment on éteint cette machine de fou? Au secours! Le véhicule avance. Tom va me tuer si je l'abîme. Les gars, je suis prêt à botter des fesses de dragon. On dirait que ça n'a pas l'air de fonctionner. Par ici, petit dragon. Je devrais essayer quelque chose de plus insultant. Sortez de votre trou crasseux, espèce de vermine. Laisse tomber. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Rien ne marche comme on avait dit. Peut-être que si on les provoque encore, ils vont sortir de leur cachette. Si ton plan marchait, ils seraient déjà là, Tom. C'est bien ce que je me disais. Je suis peut-être dingue, mais j'ai l'impression que cette voiture est vivante. Joli travail, Tom. Joli saut, John. Merci d'avoir joué avec nous. Je te l'avais bien dit, ça a marché. Mais ça aurait été impossible sans ton aide, John. Qu'est-ce qui se passe, t'as froid? Fais attention, John! Attends! John! Je n'arrive pas à me libérer! Le bouton pour l'arrêter est sûrement celui-là. Voulez-vous terminer la navigation?
Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Langue fourchue, comme des serpents. John est en mauvaise position, ils sont en train de l'étouffer. Armure Smilodon! Je t'ai jamais demandé de me faire des câlins! Les serpents n'aiment pas le bruit. Eric! Oups, vous êtes de retour? Je vous attendais plus tard. Eric, tu peux m'expliquer ce que fait la voiture de mon père devant la maison? Tom, c'est une longue histoire, très compliquée, et je ne suis pas sûr que tu me croiras. Ah oui? Eh bien, moi, je suis sûr que si. Excellent, Cobrax. Tes dragons ont réussi à empêcher les dinofroses d'avancer davantage dans la jungle. Nous avons perdu quelques soldats, mais c'est un prix bien mince à payer. Le pouvoir du Rock Froze est encore avec nous. Le retour ici des Dinofroses sera leur dernier voyage.